lecture faites-vous en tout cas de cette commune d'abord avant de venir à votre programme? Merci beaucoup. Je pense que avant de s'engager en politique, il faut avoir un projet. Et pour élaborer un projet, il faut toujours faire une analyse de la situation. Et l'analyse de la situation que nous avons faite de la commune de Singa montre une commune très arriérée, à tout point de vue. Voilà une commune qui n'a pas de maire, en fait. La commune de Singa n'a pas de maire. Ceux qui font office de maire ou qui se font appeler maire, en fait, ce sont les courtiers qui ont transformé la municipalité, la mairie, en une agence immobilière. Ils passent leur temps à convaincre les pauvres paysans à vendre leurs terres. Ils passent leur temps à voir des espaces comme les écoles pour tenter de les réduire, les vendre. Les avenues de 30 mètres, pour eux c'est trop. Il faut les couper, laisser 6 mètres. Il y a même des ruelles dans Singa qui ont été éliminées carrément. Votre voiture roule et vous tombez sur devant une maison. Ça a été vendu. Ce que je dis là, ce n'est pas une invention. C'est des choses que tous les citoyens peuvent constater. Le patrimoine foncier de la commune a été bradé de façon extraordinaire. Il s'y ajoute que les autres domaines qui sont porteurs des services sociaux de base, à savoir l'école, l'accès à l'eau, à l'électricité, mais sont extrêmement faibles. Vous avez des villages qui sont à moins de 45 minutes de Dakar et qui n'ont pas d'eau. Les femmes passent leur temps, toute la journée, à chercher de l'eau. Il y a une femme qui nous racontait à Kinyabou que l'âne qui est chargé de transporter les bidons d'eau, quand l'âne l'aperçoit, l'âne s'enfuit. L'âne s'enfuit parce qu'elle se dit que cette dame va encore me faire une corvée d'eau. Donc vous voyez la situation que je viens de peindre, ce n'est pas des inventions, c'est une analyse de la situation qui l'a révélée, c'est les populations qui nous le disent, et nous, en tant que citoyens, en tant que fils de ce terroir, nous n'avons pas le droit de critiquer, de rester dans notre salon, de siroter notre café et de dire que ça ne marche pas. Je pense que nous devons nous déshabiller, rentrer dans le domaine, réclamer les suffrages des populations et remplacer ces tournées qui sont à la tête de la commune depuis 7 ans. Justement, vous venez de peindre en part un tableau très sombre de la situation de cette commune. Quelle est l'alternative que vous proposez? Quel est le programme que vous proposez? L'alternative que nous proposons tourne autour de 2 points essentiels. D'abord, je pense que les politiques de bavardage sont dépassées. Aujourd'hui, une politique doit s'adosser à un modèle économique. Le modèle économique que nous avons tourne autour de ce qu'on appelle les FIC. Les FIC, ce sont des fermes intégrées communautaires. L'idée nous est venue d'un constat que nous avons fait. Les femmes de la commune ont l'habitude de quitter leur domicile à 5 heures du matin pour aller travailler dans des champs qu'on appelle Guana, qui sont détenus par des étrangers. Ils sont payés 2500, 3000 francs le jour. Ils quittent 5 heures du matin et reviennent à leur maison 22h, 23h. Nous avons dit, notre programme, c'est de créer pour ces femmes des fermes intégrées communautaires où ils pourront faire beaucoup mieux au niveau de ces goanas. Ils y feront le maraîchage, ils y feront de l'arboriculture à haute valeur ajoutée, notamment la papaye. Savez-vous qu'un hectare de papaye, 2500 plants, vous rapporte entre 60 et 75 millions, un hectare. Si vous donnez 10 hectares, je vous laisse imaginer ce que ça fait comme revenu. Ils pourront faire de la pisciculture, parce que malheureusement, nos amis ont vendu tous les océans du Sénégal, il n'y a plus de poissons. On va faire la pisciculture dans ces fermes, on va faire du maraîchage, et on va creuser des forages, mettre des systèmes de goutte à goutte, on va faire de l'aviculture également. Donc vous voyez que les femmes et les jeunes qui le désirent peuvent avoir du travail. Deuxième axe de notre programme, c'est un programme pour les jeunes. Vous savez, les jeunes, dans la commune de Singa, il y en a beaucoup qui ont des masters, des diplômes d'ingénieur communautaire, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Vous savez pourquoi? On leur demande très souvent, est-ce que vous avez une expérience professionnelle? Eh bien, nous, au niveau de la mairie de Singa, on va leur offrir une expérience professionnelle. Comment faire? Nous allons transformer la commune, le cabinet du maire, en un véritable cabinet qui va avoir des services techniques communaux,
des services qui vont s'occuper de l'agriculture, du travail pour les femmes, de l'emploi des jeunes, des questions environnementales, des questions de santé, des questions de culture, et développer des portefeuilles de projets. Et nous allons utiliser les compétences locales. Notre métier, nous, c'est de former des jeunes. Nous ne leur demandons pas d'expérience. On leur demande d'avoir un master, un diplôme d'ingénieur, et nous allons nous charger de les faire voyager, de les mettre dans nos projets pour qu'ils acquièrent de l'expérience. Et à la fin de ces stages, nous allons leur délivrer une attestation. Vous avez travaillé 6 mois dans un projet X de la mairie de Sundia, signé Dr Chor, maire. Si vous avez un document comme ça dans votre CV, il est beaucoup plus facile de trouver un travail dans une ONG et dans une autre structure. Voilà nous ce qu'on offre. Allez aujourd'hui dans le cabinet du maire. Vous allez trouver une seule personne qui ne s'occupe que de vendre des terres. Ce n'est pas un cabinet de maire. Il y a également le problème de l'eau, en tout cas, qui est récurrent à Sundia. C'est quoi la solution pour... Mais allez à Malekunda. Le maire a investi plus de 500 millions pour régler définitivement le problème de l'eau. Et vous pensez que Sundia ne peut pas le faire? En réalité, les gens qui sont là ne sont pas intéressés par les questions de la commune. Ce qui les intéresse, c'est le foncier. Ce qui les intéresse, c'est le problème personnel. Et leurs problèmes personnels sont réglés. Malheureusement, les problèmes de la commune ne sont pas réglés. Nous allons investir ce qu'il faut, faire les négociations pour qu'il faut, pour que tous les villages de la commune de Sundia aient accès à l'eau le plus rapidement possible. C'est une de nos priorités essentielles. Merci beaucoup. Merci.